quelques minutes, parce que vous avez vu, la soirée est assez dense et on va rejoindre la lecture dans quelques vraiment petites minutes. Mais juste peut-être quelques mots de Stéphane sur les circonstances, peut-être de l'envie de réaliser ce film, la manière dont il s'est élaboré. Et puis, si vous avez une ou deux questions, on les posera aussi. Vraiment, ce qui me concerne, c'était une envie de faire un film qui soit vraiment une porte d'entrée et la plus large possible pour Marcel, parce qu'on a tendance évidemment à l'enfermer dans ses livres, lui-même s'est beaucoup enfermé dans ses livres, mais c'est un type qui a énormément fait pour les gens qui l'entourent, et donc c'est pour ça que le film est peut-être très touffu, un petit peu comme on dit, il est trop bourré, mais c'est aussi parce que c'était un type qui était généreux pour les autres, et juste 3 minutes, juste pour dire à quel point il était généreux, mais c'est qu'il a fait beaucoup pour les auteurs, y compris des auteurs qui n'avaient pas publié ou qui étaient en cours d'écriture. Et ici, je me suis aperçu dans un de ses livres, Le Chant des paroxysmes, justement, que ce livre était dédié à un poète, à Raymond Choquet, poète, 1941-1966, donc un très jeune poète, et je n'ai pas fait attention à ce nom, parce que je me disais, après tout, il est connu, j'y reviendrai plus tard. Et puis, beaucoup plus tard, un livre qui date de 2004, on trouve dans le Morale des épicentres de Marcel Moreau, un texte qui s'appelle « Tout pour être heureux » et qui revient sur ce poète en question qui s'appelle Raymond Choquet, qui n'a rien écrit. Et je vais juste vous lire ce qu'il écrit sur ce jeune homme d'à peine 25 ans. « Jadis, j'avais un ami, un jeune poète de la race des Rimbaud, vivant comme Van Gogh. Il avait 18 ans, ne supportait pas ce monde cupide et cynique. Il habitait tant bien que mal une chambre de bonne, tous les métiers l'offensaient. Les mots, c'était toute sa vie. Il les avait brûlants, révoltés, prophétiques. Ses parents, confortables, aisés, rêvaient pour lui d'un emploi stable. Juste de quoi lui gagner, lui garder la tête haute. Il a tout pour être heureux, me disait-il, inlassablement. Et je me disais que non, je n'avais pas de réponse. Mais un jour, ses parents, pour lui prouver qu'effectivement il avait tout pour être heureux, lui offrirent un appartement. Ils entraînèrent leur fiche chez le notaire. Le lendemain de la signature, il se donnait la mort, par le gaz, dans sa soupente. Auparavant, il avait écrit sur la porte « Attention, danger d'explosion ». C'est la première fois qu'il n'écrivait pas poétique. Et ça, c'est un texte qu'a écrit Marcel Moreau à propos d'un illustre inconnu. Donc en 67, il lui dédie un livre. En 2004, il parle d'un type que personne ne connaît. Et grâce à un concours de circonstances incroyables, on a retrouvé ces textes qui étaient perdus, puisque normalement, Marcel Moreau les avait eus des parents, mais ils avaient perdu dans le train qu'il ramenait à Paris. Donc on pensait que c'était terminé, qu'il n'y avait plus du tout de texte de ce jeune poète. Et donc on a réussi à publier ces poèmes, que vous pouvez retrouver si vous en avez envie. Mais donc c'était juste pour dire que Marcel Moreau, avant tout, était un type extrêmement généreux. Et qu'il l'a fait pour d'autres, pour Sophie Beuys, pour plein de gens. Et au cours de la soirée, je crois que vous aurez d'autres exemples. Voilà, pour moi, c'est tout pour moi. Voilà, on a eu la suite de ce qui est présent dans le film, cette transmission, cette influence. C'est aussi l'objet, bien sûr, de cette soirée. Est-ce qu'il y a juste une ou deux questions avant de changer de salle ou... C'est remarquable, et bravo pour le montage, parce que j'ai vu que vous avez assumé le montage également. Oui, parfait. Merci. C'était un film, oui, qu'on a fait avec très peu d'aide, et c'est pour ça que vous voyez, évidemment, l'appel à des donateurs, des gens qui pouvaient aimer, c'est pour ça qu'on voit Ulule à la fin, c'est qu'on a eu besoin un petit peu d'un petit coup de pouce, parce que c'est un tout petit film, ça.